Eh bien bonjour YouTube, bienvenue sur ma chaîne des figurines et des jeux pour un nouveau tuto de peinture. Cette fois-ci on va aller un petit peu dans du zombicide pour changer. Donc on va prendre Wanda qui est un personnage du jeu de la saison 1. Bah écoutez, ce que je vous propose, on va passer au tuto. Donc on va prendre pour commencer au niveau des couleurs de base une chair rosée qu'on va appliquer sur toutes les parties de la peau. Donc on va passer ensuite à du jaune pour les cheveux. Voilà, toujours peinture relativement diluée, pas trop. On va passer à du skin blue et du bleu moyen. Donc là j'avais envie de faire la robe d'une couleur bleu ciel, hein, comme sur le schéma de peinture de la fiche de personnage. On va passer ensuite à du bleu moyen pour faire les contours de la robe, le chapeau ainsi que le bout des manches. Donc toujours dans le but de respecter le schéma de peinture. On va prendre un violet du flèche pallide pour faire un petit mélange pour le tablier ainsi que le nœud derrière. Voilà, une peinture toujours relativement diluée. On va prendre du Fire Dragon Bright pour tout ce qui est tronçonneuse. Voilà. On va reprendre du Palette Flesh, Witch Flesh pour faire les chaussettes. Donc, voilà, pour que ça soit en harmonie avec le tablier. On va prendre de l'Abomination Gore pour les roulettes des patins, parce que madame se déplace en patins à roulettes. On va prendre du marron mat pour l'arme qu'elle a dans son tablier. Alors, on voit pas bien, mais voilà, elle a une espèce de fusil à canoncier, hein, d'après ce que je vois. On va prendre du gunmetal gris pour la tronçonneuse, ainsi que les petits bouts de métal qui dépassent du fusil. On en a terminé avec les couleurs de base. On passe au shade avec du Seraphine Sepia pour les cheveux, pour l'assombrissement. Du Reclamed Flay Shade, bien sûr, pour assombrir la peau. Donc je précise que ces peintures ne sont pas à diluer dans l'eau, hein, les shades sont à utiliser directement sur la figurine. Alors du Purple Tone pour assombrir le tablier et les chaussettes. Voilà qui est fait, on va laisser sécher tout ça. Ensuite on prend du Blue Tone pour assombrir le chapeau, enfin tout ce qui est bleu moyen, pas le bleu ciel, hein, ça je l'éclaircirai seulement. On va prendre du red tone pour assombrir l'orange de la tronçonneuse, hein, c'est je trouve des fois ça rend mieux que le soft tone. Alors du dark tone pour les chaussures ainsi que la tronçonneuse, l'arme, enfin afin d'assombrir tout ça, on en a terminé avec les shades, on va passer aux éclaircissements. Allez, j'oubliais le socle avec de l'échine grey, de façon à le préparer pour les éclaircissements. On va prendre du jaune pour les cheveux, donc spécialement sur les arêtes. Voilà, on va prendre du blanc et du jaune pour éclaircir de nouveau quelques arêtes, pas toutes. Juste sur le dessus, hein, le sommet des arêtes des cheveux, de façon à faire ressortir la lumière. On va prendre du bleu moyen et du bleu ciel pour éclaircir les bords de la robe ainsi que le chapeau et les manches. On va prendre du blanc qu'on va mélanger à la couleur de mélange antécédente pour de nouveau faire des fins traits d'éclaircissement sur le chapeau, les manches et les rebords de la robe. On va prendre du skin blue, alors c'est du dry mais c'est pas grave, hein, j'ai mis un petit peu d'eau pour le rendre plus humide et j'éclaircis la robe. Alors du skin blue et du blanc pour de nouveau faire des fins traits, éclaircir la robe, tout ça pour créer des espèces de dégradés. On va prendre du blue tone pour assombrir un petit peu
les manches, le chapeau, les rebords de la robe. Voilà, j'en aurai terminé avec ces rebords. On prend du Renfang Steel pour faire un léger brossage à sec sur la tronçonneuse. Du Fire Dragon Bright et du jaune pour les rebords de la tronçonneuse. On va prendre du Soft Tone pour assombrir, rendre un peu plus de volume cette tronçonneuse. Vous voyez que c'est un peu trop clair. On passe à la peau avec la couleur de base que j'avais pris, donc la chair rosée. Toujours pareil, sur les arêtes seulement. Et ensuite, on va prendre du blanc pour mélanger à cette couleur. Alors, c'est vrai que le contraste de la caméra montre que c'est trop blanc au niveau de la peau, mais en réalité, c'est moins flashy. On va prendre du Pallid with Flesh et on va mélanger avec du violet pour éclaircir le ruban du tablier et le tablier, le devant. On va toujours rééclaircir, toujours reprendre du blanc et cette fois-ci mettre des petites touches. Alors désolé, le contraste de la caméra, j'avais mal réglé, ça fait un peu trop blanc, mais dans la réalité c'est beaucoup moins flashy comme je disais tout à l'heure. On va prendre du Renfang Steel pour mettre des petites touches métal sur notre tronçonneuse ainsi que sur le fusil dans le tablier, du marron mat et du jaune pour éclaircir la crosse de ce fusil. Et toujours, on va mettre un peu plus de jaune pour le dessus, pour symboliser la lumière qui vient frapper cette crosse. On va prendre du Ceramic White pour les patins roulettes, en traçant de fin trait pour symboliser les lacets. De la bonumination de gore pour éclaircir les roulettes. Et on va terminer avec de l'orange qu'on mélangera à l'abomination de gore pour le dessus des roulettes. Voilà, on a terminé pour les éclaircissements. On va passer à l'autre étape. Allez, on passe au socle avec de l'administratum gris que je vais passer en brossage à sec. De l'administratum gris mélangé avec du blanc pour un nouveau brossage à sec pour éclaircir de nouveau. Je vais ensuite prendre du jaune pour tracer des bandes jaunes qu'on trouve en Amérique sur les routes. Donc c'est pas évident au pinceau de tracer droit, mais d'abord je fais un petit carré. Et ensuite je remplis de ma couleur. Je vais prendre de la Badon Black pour tracer en trompe-l'œil des crevasses dans la route. Voilà, j'avais un petit peu dans l'idée de faire ça. De l'échine grès pour éclaircir les rebords de ces crevasses, de façon à créer une espèce de volume en trompe-l'œil, on va dire ça comme ça. Je vais prendre du Soft Tone pour salir un petit peu la route, mettre un petit peu des taches. Voilà, ça fait un peu apocalypse. De la Badon Black de nouveau pour peindre le contour du socle. Donc là, terminé avec le socle, on passe aux finitions avec du Ceramic White pour combler un petit peu de blanc l'intérieur des yeux, venir avec de la Badon Black mettre un petit point pour symboliser l'œil. Alors c'est tout petit, on dirait pas comme ça. Donc là, on passe aux finitions du socle, donc avec de la colle à bois, bien sûr. Des petites feuilles, donc là j'avais fait un tuto là-dessus sur le soclage naturel des feuilles que vous retrouvez en haut à droite de cette vidéo. Je vais mettre de l'herbe d'Army Painter et de Citadel pour tout ça et terminer avec du Blood for the Blood God pour le sang. Voilà, j'en ai terminé pour ce tuto de peinture. Donc c'est une figurine de jeu tabletop, je suis pas allé trop dans les détails ni trop dans les techniques de peinture, ça suffira pour du jeu. Si vous désirez voir des peintures beaucoup plus élaborées, je vous conseille deux tutos, celui de Franck pour Arcadia Quest qui est une figurine de mon ami Maurice de la chaîne G2D que vous retrouverez en haut à droite de cet écran, ainsi que la figurine Valindra du jeu Descente qui est aussi une figurine de mon ami Maurice. À ce sujet, on a un projet, peindre toute la boîte de base des figurines d'Arcadia Quest. Donc là c'est en cours de projet avec Maurice.
Donc, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et puis on se retrouvera très bientôt pour de nouveaux tutos. Allez, ciao, ciao!